Salut toi! Mais dis-moi, ce serait pas le retour de Talk Chef? Et si, c'est bien ça! Allez, enfile ta toque et ton plus beau tablier, on est reparti pour un tour! Cette fois-ci, Margot te propose de réaliser un boboon et des rouleaux de printemps comme on les aime. Pour cette recette, il te faut un bol, de l'eau et des nouilles! Et voilà, tu peux maintenant sortir te prélasser au soleil! Oh ça va, on rigole! Margot va pas te laisser tomber comme ça! Pour 3 bols de boboon, il te faut de la sauce soja, de la sauce gnoc mam, du gingembre en poudre, de la sauce aux huîtres, du curry en poudre, un citron vert, quelques feuilles de menthe, 2 carottes coupées en bâtonnets, 2 bonnes cuillères à soupe de sucre roux, une gousse d'ail, un oignon blanc en morceaux, quelques poignées de salade batavia, 200 g de vermicelle de riz, de la coriandre, 2 bonnes cuillères à soupe de pousse de soja et 400 g de bœuf bien tendre. Dans une casserole, mélange le sucre roux à 4 cuillères à soupe de sauce gnoc mam et de sauce soja. Si tu es vegan, tu peux te passer de la sauce gnoc mam et simplement doubler la quantité de sauce soja. Verse ensuite l'ail haché et mélange bien. Fais chauffer ta préparation à feu doux quelques minutes, le temps que le sucre fonde, puis mets-la de côté. C'est le moment de s'attaquer à la viande. Saisis-toi de ton pavé de bœuf et offre-lui l'amour qu'il mérite en le coupant en tranches très fines. Si tu es végétarien ou vegan, tu peux parfaitement le remplacer par du tofu sauté. Dans un bol, mélange 2 à 3 cuillères à soupe de sauce d'huître avec 2 cuillères à café de gingembre en poudre et de curry. Ajoute ensuite l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. Verse cette marinade sur ta viande et ajoute ensuite les oignons blancs coupés en morceaux et quelques pincées de coriandre. Malaxe bien l'ensemble, donne tout ce que t'as bébé, c'est ce qui donnera tout l'arôme à ton plat. Et voilà, tu n'as plus qu'à laisser mariner une trentaine de minutes. En attendant, tu peux faire plein de trucs, balayer en chantant, astiquer ta douche, ou même apprendre l'allemand. Et ouais, tu peux en faire des trucs en 30 minutes. Bon, quand t'as fini, reviens à la viande. Verse tout dans une poêle ou dans un wok et fais cuire à feu moyen. Quand tu vois qu'elle commence à avoir bonne mine, fais bouillir un grand volume d'eau dans une casserole et fais-y tremper tes vermicelles 2 ou 3 minutes. Une fois qu'ils sont prêts, égoutte-les et passe-les rapidement sous l'eau froide pour arrêter leur cuisson. Répartis ensuite tes vermicelles dans un bol et recouvre-les de petits légumes. Margot a choisi des carottes, du soja et de la salade, mais tu peux très bien utiliser de l'avocat, du concombre ou du chou cru. Recouvre de viande et de quelques feuilles de menthe et de coriandre, puis arrose de la sauce que tu as préparée au tout début. C'est beau, hein? Et attends, c'est pas fini! Voici une recette express pour réaliser de succulents rouleaux de printemps. Pour 3 rouleaux, il te faut de la salade batavia, le reste des pousses de soja, des carottes en morceaux, du citron vert, des feuilles de riz et des vermicelles de riz. Fais chauffer un grand volume d'eau. Attention, il faut que ce soit chaud mais pas brûlant. Il faut que tu puisses y mettre les mains. Trempe ta feuille de riz dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien ramollie et étale-la sur une assiette. Dans le bas de la feuille, au centre, place ta garniture. Vermicelles, carottes, pousses de soja, salade et citron vert. Replie très délicatement en partant du bas, puis sur les côtés. Roule ensuite ton pâté sur lui-même en faisant attention à ne pas déchirer la feuille de riz. Et voilà, c'est prêt! 3 beaux rouleaux de printemps pour le printemps! Qu'est-ce qu'un gâteau face à un boboon aussi beau? Boon! Tu peux même l'offrir en guise de gâteau d'anniversaire à tes potes. Succès garanti! Allez, je te souhaite bon app et te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Talk Chef!